C'est-à-dire l'élève et son professeur remercier le public, remercier les juges. Les Japonais doivent être sûrement les seuls concurrents à remercier les juges. On le voit aussi parfois en patinage. Alors que la dernière concurrente que nous allons suivre est la Chinoise Wu Bei au ruban. Suite de petits pas en déboulé presque parfaite. Le ruban qui s'élève bien haut. Attention ici. Ah là 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 là. Elle a rattrapé la baguette trop courte, ce qui ne lui a pas permis d'allonger le bras. Là, malheureusement, la concurrente chinoise a vu un petit peu le ruban s'enrouler autour de son corps. Aïe. Et là, elle lâche le ruban. C'est dommage car il y a beaucoup de vivacité, il y a beaucoup de bonnes intentions dans cette... Et elle est très légère, très agréable comme gymnaste. Elle est très jeune et manque de métier. Je vous disais que le ruban est très difficile et c'est vrai. Ouais, la démonstration de la jeune chinoise nous le prouve assurément. Et je crois qu'il est bon aussi de vous montrer des concurrentes qui ne réalisent pas tout à la perfection. C'est vraiment le... Oui, là on voit que le ruban qui s'enroule tout de même à la fois autour de son corps et autour un petit peu de son poignet. Pour vous montrer la difficulté extrême de ce sport qui est la GRS. Que nous avons été très heureux de suivre cet après-midi.